Hello tout le monde, c'est MLDG, on se retrouve pour l'épisode je ne sais combien de Super Mario 3D Land et on est parti pour le spécial 4. Et le spécial 4 renferme pas mal de choses assez surprenantes, notamment le monde 4-3 pour récupérer les pièces étoiles, c'est quand même assez tendu. Alors, on va se concentrer. Parfait. Exactement ce que j'avais envie d'avoir. Bon, par contre, on va essayer de garder le costume de Nuki. Le désavantage de ce niveau, c'est qu'il est très long. Il est très très long parce que là on subit un scrolling vertical sur une plateforme. Dégage, dégage, dégage. Ok, bon ils m'ont pas donné de costume. Mais très sympa aussi la petite musique remixée derrière. Vraiment très cool. Prends les pièces. Voilà. Alright. Je vais juste faire quelque chose à côté avant que j'oublie. Ah, c'est dur de faire 150 choses en même temps. Voilà. Je ne vous dirai pas ce que j'ai fait, ça ne vous intéresserait sûrement pas. Bim! Ah ouais, non, mais là je fais n'importe quoi. Là on va se concentrer un peu. Par contre, on va pas taper cette boîte là parce que cette boîte là, il y a un champion empoisonné. Et il y a peut-être quelque chose là. On peut pas aller la voir, on peut pas l'atteindre. Ok, il y a sûrement quelque chose, mais je sais plus. Ah, c'est parce que le. Ok, la plateforme monte. Bien joué. Alors là, voilà, on a des blocs qui tombent. Viens là, toi. Oh, tant pis, on va le laisser dans son coin. De toute façon, il nous dérange pas, n'est-ce pas? Voilà. Ça dégage tout ça. Boum! Alors, ce qu'il faut voir, c'est que là, waouh, on a déjà pas mal avancé. J'ai toujours pas récupéré une seule pièce, hein, parce que les pièces sont plus vers la fin. C'est ça, tire, vas-y, tire. Moi, j'esquive. Y a pas de problème. Oh. Alors là, ça va être un peu plus chiant. Voilà. Clac, vas-y saute toi. Ok super. Allez-y sautez. Avant je récupère ça. Voilà. Donc la première pièce on l'a eu. Sans souci. La deuxième pièce elle est juste là. Voilà. Aïe. J'ai cru que je l'avais touché. Bon bah on a intérêt à pas se faire retoucher encore une fois hein, parce que sinon après on est petit hein. Oula. J'ai eu chaud. Ah ils sont chiants les Kamek hein. Ils sont très chiants. Que ce soit dans Super Mario World ou dans ce jeu-là. Hein. Ok. On arrive ici. Et donc ici, on va monter sur cette plateforme-là. Sur celle-là. Sur l'autre après. Allez, vas-y, mon ami. Voilà. Et on va passer par derrière. Parce que en haut, il y a donc la troisième pièce qui se trouve juste ici. Allez. Voilà. On a les trois pièces maintenant. Là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est atteindre le haut du mât. En essayant le saut en longueur, on se concentre. On va y arriver, Mario, on va y arriver. Oui, joli. Alors, ce qui va être chiant là, par contre, c'est que j'ai plus le costume Tanuki. Donc, on va essayer de faire 100. Ça devrait le faire, normalement, ça devrait le faire. Mais au cas où, si ça le fait pas, de toute façon, il y aura du montage. Alors, voilà, déjà, on a déjà passé plus de 3 minutes 30 sur ce niveau-là, ce qui est beaucoup. Ah ici j'aurais bien aimé avoir le costume Tanuki parce que là sans le costume Tanuki ça va devenir un peu tendax. On va voir ce que ça donne. Parce que voilà ce qui se passe. Ah là quoi. Allez. On y va. Wow. Ok. Ouais. En plus il faut récupérer les pièces étoiles en courant là. Ah voilà. Voilà pourquoi j'aurais aimé avoir le costume Tanuki. Donc du coup, je vais aller me chercher un costume Tanuki. Hop, on va quitter le stage. Et je vous fais un montage. Et voilà, on est de retour. Donc j'ai récupéré deux costumes de Tanuki. Et puis j'ai pu me faire quelques vies en plus. Pour avoir les costumes Tanuki facilement, j'ai pris le premier niveau du spécial 1. Parce qu'on a le costume juste devant nous. Par contre, il faut terminer le niveau. Donc du coup, bah, je rushais le niveau avec les étoiles qu'il y avait sur le chemin. Et en espérant que cette fois, ce sera la bonne... Normalement, il devrait pas trop y avoir de soucis là-dessus. Hein. Clac. Ok. Donc, on est parti ici pour prendre la première pièce sans encombre. Parfait. Alright. Ici, deuxième. Oh là. Deuxième pièce de salopard. Oh là, je l'avais zappé ça. Alors là, je suis pas content. Tant pis, on y va en mode petit. Voilà. Vous voulez du fail? Eh ben, il y en a du fail. C'est pas ce qui me plaît le plus, mais bon, tant pis. On va faire avec. Hein. Ok. Je préfère garder le costume Tanuki dans la boîte actuellement. Hein. Hop.
Voilà. Donc là, je me fais plus avoir. Bah si, je me fais avoir une deuxième fois. Mais c'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Allez, on se ressaisit, ML2G. On va le faire. Là, 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 c'est n'importe quoi, là. On est d'accord. On est d'accord. Allez. Ah là, ça s'affiche, on peut y aller. C'est l'autre, là, le Mario d'ombre, là, qui me met la pression. Sinon, je leur ai fait cool, tranquille, ce niveau. Hein. Mais il me met la pression. C'est plus fort que moi. Voilà, donc première pièce, déjà. Voilà, donc là, on y va. Molo, molo. Ah, salaud. Vas-y, viens là. Non, mais, hey, prends l'étoile, s'il te plaît, voilà. Viens là, mais arrête de courir. Voilà, c'est bien. Purée. Ah, vas-y, prends. Prends ça, voilà. Clac, clac. Et maintenant, on se ressaisit parce qu'on a un costume Tanuki. On est bon. Non, tu dégages, toi. Merci. Ah, normalement, c'est la bonne. Hein. Je dis bien, normalement, c'est la bonne. Hein. Oh, purée. Oh, purée. Faut que j'aille où, là? Ah, ok. Ok. Voilà. Donc là, on y va mollo. Ok, ok. Ouais, 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 ouais. C'est quand même assez tendu quand on connaît pas le chemin par cœur. Ok, là, là on a les trois pièces. Vas-y. Non. Voilà. Super. Eh ben, ça a été laborieux quand même ce niveau 4-2. Hein. Ah là 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 là. Et encore là, on va faire le niveau 4-3. Je vous ai dit, les pièces étoiles sont assez débiles à récupérer. Et je vais vous montrer quelque chose d'ailleurs. Allez, on fait passer. Voilà, super. On va d'abord passer par la maison de Todd parce qu'il va me donner un power-up qui va m'être très utile pour le fameux monde 4-3. Sans ce power-up là, je ne peux pas le faire, le monde 4-3. Ah, 100%, on parle bien. C'est celui-ci. Magnifique. Sauf que moi, je veux garder le costume de Tanuki pour le moment dans la. Enfin, sur moi et ce costume là dans la boîte. Parce que sans ce costume là, je ne pourrais pas avoir la dernière pièce. Bonjour. Je pourrais pas avoir la dernière pièce étoile. Vous allez voir pourquoi. Ok. Donc là, je commence au niveau comme ça. Si je vois que je fail, bah, j'aurai juste à quitter le stage et revenir. Et normalement, je récupère tous mes power-up. Allez, on est parti. On va passer par là-haut. On va le rusher un petit peu parce qu'on a perdu pas mal de temps avec l'autre niveau, malheureusement. Non, non mais Mario, non mais ça c'est n'importe quoi, ça c'est n'importe quoi. J'arrive même plus à voir la putain de 3D dans ce jeu. Pardon pour le gros mot, mais là, désolé. Hein. Bon, est-ce qu'il y a du costume là-dedans? Évidemment, il va pas y en avoir. Hein. Ah si, il y en a. Non mais, s'il te plaît, voilà. Bon, allez, là cet épisode-là, c'est l'épisode du fail. Hein. Après, je vous cache pas, je le tourne en plein réveil. Donc la première pièce étoile, elle est là. Voilà, c'est pour vous dire un peu l'étendue de là où va se trouver les pièces. Hein. Donc, la deuxième pièce, elle va se trouver par là-bas. Ah non, elle va pas se trouver par là-bas. Ah si, elle est là. Dégage. Fais attention au Benzai Bill. On va glisser. Oh. Ok. Super. Donc on avance, on a eu les deux premières pièces. Lui normalement il donne le power up. Non il donne pas le power up, tant pis. Mais la dernière pièce elle est là. Vous avez vu ça un peu? Vous avez vu ça? Donc pour la voir, alors par contre je sais plus dans quel angle il faut la prendre. C'est avec le boomerang. Ok. Ah là super. Et donc maintenant qu'on l'a eu, on va prendre le costume de Tanuki pour avoir le haut du drapeau doré. Yeah. Alors on va parler un peu aussi de Super Luigi 3D Land, le jeu que je vous ai proposé de faire après Super Mario 3D Land pour récupérer, enfin pour terminer tous les niveaux. Au début vous avez été très nombreux à me dire oui, après vous avez été très nombreux à me dire non, et c'est vrai que je comprends les personnes qui disent non, hein, par rapport au fait que ça va être répétitif et que ça va être chiant à regarder, je vous comprends tout à fait. Après il y en a beaucoup plus qui me demandent de le faire, donc je vais le faire, mais je vais vous rassurer tout de suite. C'est que, ah d'accord, il faut tuer les monstres pour avoir 10 de time. Donc ça c'est indiqué dès le début. Alors je vous rassure tout de suite, il y aura du montage, et il y aura beaucoup de montage pour Super Luigi 3D Land. Par exemple, on ne verra pas Luigi sur la world map à part en début de partie.
Et je compte faire peut-être un ou deux mondes par vidéo. Peut-être plus deux mondes par vidéo, histoire d'éviter d'avoir des vidéos trop longues. Mais voilà, c'est pour vous dire que Super Luigi 3D Land, je compte le faire maintenant que vous m'avez demandé. Enfin, du coup, que vous avez été plutôt nombreux à me le demander. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Non, il n'y a rien dedans. Et il y aura du montage. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je sais pas encore comment je tournerai le truc, mais on verra. Donc là, on va pas besoin de tuer le Goomba, on s'en fiche. Hein. On a ce qu'il nous faut au niveau du time. Voilà. Et là, la pièce. Super. Et on va retourner en haut du ma. C'est tendu là. Hein. Et donc les trois pièces plutôt facilement récupérées dans ce monde 4-4. Monde 4-4. Ouais. Oh, des feux d'artifice. Ce qu'on retiendra de cet épisode, c'est les fails du monde 4-2 et le boomerang du monde 4-3. Ok, alors ce niveau-là, j'en ai plus aucun souvenir. Si, ça me revient maintenant. Ça me revient. Donc ça se casse la gueule, ça, forcément. On va passer en haut, parce que en haut, on a la première pièce derrière. Monte, monte, Mario, monte. Chouette. On continue. Oh, il y a peut-être un costume, là. Hein. Non, il n'y a que dalle. Je vais quand même vérifier dans les boîtes, là. Oh, non, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça du tout. On va esquiver, hein. Passe. Voilà. Super. Ici, c'est quoi? C'est un bout. Il va m'embêter. Ouais, il va m'embêter. Oui. Ça, c'est bon, ça. Allez, on va foncer. On va détruire le plus de bouts possible. Boum. 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 Ok. Bah, j'ai pas réussi à le détruire, celui-là. C'est pas grave. Tac, tac, tac. Alors, vas-y. Il me donne pas de power up, hein. Là, il est radin. Hein. Ok. Donc, on arrive ici. Wall jump. Le classique. Avec la... Oh, on peut pas faire de wall jump là-dessus. Wall jump là-dessus. Avec la deuxième pièce étoile. Et la dernière pièce étoile se trouve juste là. Voilà. Elles sont très proches, les deux dernières pièces étoiles. C'est quand même dommage. Mais... Non, tu dégages le bout. Hein. Ok. Ok. Et on arrive dans la boîte là-bas. Oh, j'ai un truc dans la gorge, c'est affreux. Alright. 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 Oh, c'était chaud là. Et voilà. Le drapeau doré. Et on a bien eu les 3 pièces étoiles. Au niveau du time, 27 pièces. Ça va. Ça va. Ok. Ah, un épisode plus long que le précédent. Tant mieux, parce que le précédent épisode, j'étais quand même assez sur le cul de voir à quel point je l'avais rushé le monde 4. Et maintenant, on va débloquer le monde 4-5 avec 160 pièces. Et très intéressant ce monde. Enfin, ce niveau. C'est pas un monde, c'est un niveau. Voilà. Très intéressant parce que on va avoir le droit à beaucoup de combats. Vous allez voir ce que je veux dire. Vous allez voir ce que je veux dire. Yeah! Todd en costume Tanuki, très joli. Très mignon. Ok. Donc là, on n'a pas de scrolling. Hein. On n'a pas du tout de scrolling. Alors, qu'est-ce que tu as là-dedans à me donner? Tu n'as rien à me donner. Ok, t'es un radin. Je l'avais compris. Donc ici, première salle de boss. Avec des frères marteaux et des frères boomerang. Voilà. Donc on les pète. Ça, on n'en a pas besoin. De toute façon, j'en ai déjà un dans la boîte. Ok, lui, il m'aime pas. Voilà, je le pète. Ok, toi, tu viens là. What? Ah, faut se baisser, d'accord. Fallait se baisser. Bon, tant pis. Donc là, ici, on a là. Non, vas-y, s'il te plaît. Première pièce. On va rester en Mario, hein. Tant pis, hein. Clac. Wow, wow. Non, mais vas-y, je sais pas, je sais vraiment, vraiment pas viser. Alors, on va essayer de l'avoir, lui. Ok, champi. Oh, j'ai chaud. Et donc là, on va taper ça. Ok, ok, ok. Oh, peut-être ça. Voilà. Donc, on l'a eu. On est bien. Le boomerang, tu reviens, s'il te plaît. Merci. Ok, alors. On va attendre qu'il passe. Il est passé. Ensuite, on va avancer par là-bas. En faisant attention de ne pas tomber dans les trous. Voilà. Alors, on va essayer de faire ça comme ça, voilà. Wow, 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 wow. Plus facilement. Ok, génial. Donc, j'ai eu les 3 pièces. C'est chaud. J'ai eu mon checkpoint. Et c'est parti pour les boss. Je dis bien les, parce que ça va être chaud.
Tiens, déjà, d'une part, je t'impose le respect, moi. Olé, 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 on se calme. Ok. Tiens, je te casse en deux, moi. Ok. On va se mettre plutôt par ici, hein. Donc, il va revenir à lui-même. Super. Et là, on le pète. On le pète. Super. On récupère les piécettes. Pas toutes. On laisse un petit peu. Et là, deuxième boss. Un petit peu plus chiant. On a Sand Time en plus. Ce qui est largement suffisant pour la vaincre. Hein. Ok. Alors tape. On va te taper là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'elle saute. Voilà. Technique. Bon, c'est pas très loyal comme technique, mais ça passe. Hein. Voilà. 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 Et voilà. Boss vaincu. On aurait pu rester au milieu avec toutes les plateformes qui se cassaient la gueule, mais bon. Ça va plus vite de faire ça comme ça. Ok. Et donc on arrive ici. Donc avec une autre direction du drapeau. Où j'ai failli choper d'ailleurs le drapeau. C'est pas bien ça. Ok, donc là on a rien. Ici on va avoir des pièces aussi. Et donc là si je loupe le drapeau, je crie. Ok, déjà, vise bien. Ah ! Parfait, le drapeau doré, il est à nous. Et on a terminé enfin ce fameux monde 4. Le spécial 4. D'ailleurs, je viens de remarquer que mon visage est un petit peu plus jaunâtre que d'habitude. Pourtant, c'est la même lumière. Hein, donc, bon. Peut-être qu'il faudrait que j'achète des néons blancs plutôt que des néons bleus. Des néons jaunes, pardon. On verra si je peux en trouver. Mais bref, c'est terminé pour ce monde 4. L'épisode dure 20 minutes, voilà. Un épisode plus long que les autres. Donc, j'espère que vous êtes content de cet épisode. J'espère que vous êtes content de mes fails. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt pour la suite de Super Mario 3D Land. Bye! Ba-da-b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 a-